gars, c'est Bandidos. J'espère que vous allez bien, les gars. Moi, j'ai la forme. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo. Moi, il dit Bandidos, t'es moi, bon, on s'en bat les couilles, t'en fais trop. Donc, je vais vous présenter un peu des files mob. Tout simplement, pourquoi? Parce que les files mob, c'est. J'attends une réaction de votre part. Je veux savoir. C'est quelque chose que j'aimerais bien. Au passage, j'étais accompagné de PGM Violeur, c'est un abonné à moi. Et de OCB Quackers, de ma team. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit gameplay sur Érosion en 3 contre 3. Je vous avoue, je n'étais pas parti pour faire une mob. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du gameplay, eh ben, les choses vont être bonnes pour moi. Bon, vous verrez bien ce qui se passera. Et voilà, donc j'ai décidé de passer ce genre de gameplay. Ça change un petit peu de faire que de la mob. Sinon, à part ça, je suis très très heureux parce que là, à l'heure où je vous parle, il me manque 2 abonnés pour atteindre les 2500 abonnés. Donc je pense que d'ici demain, ça sera réglé. Et là, à l'heure actuelle, je vous commente la vidéo, il est 22h20. Pourquoi? Parce que je suis resté au lit toute la journée. Je sais pas ce que j'ai eu, j'ai une montée de fièvre, j'ai vomi toute la journée, je pense que c'est petite gastro. Voilà, donc là, je commente cette vidéo vite fait. Et sinon, à part ça, j'ai eu le bonheur d'être resté au lit toute la journée, mais quand je me suis levé ce soir, tout simplement j'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai eu l'honneur d'avoir un petit message de code CF qui me disait qui m'uploadait la vidéo série de 67, une vraie boucherie. Donc voilà, je suis super content parce que je pense que ça va me ramener des abonnés et en fait ça fait plaisir un petit peu de passer sur des grandes grandes chaînes communautaires comme ça, malgré qu'ils sont beaucoup. On m'a dit qu'il y avait un public assez critiqueur, assez difficile. Mais moi, j'ai pas peur. Ça me gêne pas du tout. J'ai pas de pression. Pourquoi j'aurais une pression? Parce que pour moi, j'ai rien à me reprocher. Le gameplay est pur naturel. Le commentary, c'est du naturel. Comme toujours, les gars, je vous le répète, hein, le commentary, chez moi, c'est du naturel. Je le fais une fois. Je vais pas le faire 10 fois d'affilée, calculer ce qu'on dit. Moi, c'est bien comme ça. Alors là où je vous parle, je suis dans la chambre où il y a la paire à repasser et tout. Et on m'a pas regardé les experts, je sais pas quoi, là. Et là, je suis en train de vous parler vite fait comme ça, alors que j'ai mal de tronche comme ça, j'ai vomi toute la journée. Pas les couilles, c'est comme ça, nous, je commente en direct. Et je sais que certaines personnes, ça vous plaît que je fasse ces commentaires, on va dire, non réfléchis. Et sinon, honnêtement, franchement, je suis super heureux parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a vraiment des. Bon, c'est les vacances, les abonnés sont un petit peu moins actifs, mais le peu qui sont actifs, ils me font plaisir, franchement, avec leurs commentaires. Tout quoi, alors le petit commentaire de soutien sur Facebook et tout ça. Donc vraiment je suis super content. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira ces petits gameplays là comme ça. Et j'ai vu que les gameplays moi busy ça vous a un petit peu plu. Bon, elle a pas été super vue la vidéo. C'est sûr que j'ai pas pu toucher le public, ceux qui arrivent à faire des mobs. C'est sûr que des vidéos comme ça, ça ne vous plaît pas forcément. Mais j'ai vu que certaines personnes, ça les a peut-être aidés d'avoir fait. Ah oui, on m'a beaucoup envoyé des messages en me disant ouais, Bandidos, t'as mob à M60 pour expliquer comment faire des mobs. C'est pas mal, mais dans un sens, c'est pas trop bien parce que ça incite les gens à camper. Alors je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec. Mais je pense pas que ce soit ma vidéo qui incite les gens à camper parce que, en fait, une personne qui n'arrive pas à faire de mob, elle va forcément essayer de camper un petit peu parce qu'elle en a marre de pas y arriver. Donc moi j'ai fait ces vidéos-là dans l'esprit que la personne, oui certes, campe un petit peu pour faire sa première mob, mais j'ai pas fait cette vidéo-là pour que la personne joue comme ça tout le temps. Mais je veux dire, c'est juste quand elle est en équipe avec sa team, voilà, dire tiens, ce soir je vais me faire un défi, je vais essayer de faire un QG, une mob avec mon équipe. Donc ouais, certes, c'est un peu du camping, hein, mais. Moi, je pense que ça peut aider un peu des jeunes. Et ce matin, j'ai joué avec mes abonnés. D'ailleurs, on a bien rigolé. D'ailleurs, j'ai claqué une mob sur Dom. Et on a bien rigolé, on a bien parlé de ça. Et pas mal ce matin d'abonnés ont fait des files aussi. C'était un peu dégoûté parce qu'ils voulaient me montrer qu'ils savent faire de la mob. Mais ils ont un peu tous fait des files. Moi, d'ailleurs, j'en ai fait aussi quelques-uns. Et j'en ai quand même réussi une affaire sur Dom. Vous voyez là, le mon abonné PGM me dit bah tiens, je vais mettre en veste balistique parce que là, je commence à lui dire je suis pas mal. Je commence à être. En bonne série. Je sais plus à combien j'étais là, l'actuel. Je crois que j'étais à 17, je crois. Ou 18. Enfin, c'est pas pour spoiler le fight, je vous le dirai à combien je suis mort, mais. Ouais, petite veste balistique de Quakers aussi. Et j'aurais dit de jouer en drone et en veste balistique. Ça pourrait m'aider. J'avais pas réussi à la faire, la mob dans cette carte. J'en ai fait plus d'un de fight. Elle me porte la poisse, cette map. Je comprends pas pourquoi.
Il y avait tout pour réussir ce jour-là, mais alors vraiment, pas envie que ça réussisse pas. Voilà. Là, je sais que. C'était pas là, là. Attendez, ouais, je crois que c'est là. Petit commando. Non, c'est pas là. Je vais me prendre un commando, en fait, que tout le monde a déjà eu en jouant. C'est-à-dire, à l'écran, ça va pas se voir, forcément, là, la vidéo. Mais vous savez, c'est le genre de commando, qu'on appelle ça commando, entre guillemets. C'est le genre de commando, en fait, qui. Comment dire? Vous commencez à tirer sur la personne, il y a la croix qui s'affiche, vous savez, la croix de hitmarker, quoi, la croix. Et d'un coup, le gars fait un réflexe et clique sur son joystick et vous fait. Vous savez, il a le bras qui s'allonge à la Dalsim, quoi, dans Street Fighter, il s'allonge. Et il vous fait un cut de notre monde, un réflexe bidon. Soit c'est du bon réflexe, un vrai réflexe, soit c'est un truc sans faire exprès. Je ne sais pas. Ça m'est arrivé souvent, la dernière fois pareil. Mais pour la petite. Je vais quand même vous raconter une petite faille épique d'un ami à moi de la team OCB. Il était à 23-0, en détermination, je précise. Il était à 23-0, il envoie son mastodonte d'attaque. Et il montre, il rentre dans le mastodonte d'attaque, il dit ouais les gars, je vais faire ma mob tranquille et tout. Mais on lui a dit, mais Centaure, c'était OCB Centaure 59. On lui a dit, Centaure, ta mob elle est morte, hein, t'es fort parce que t'es obligé de mourir dans le masto et donc forcément tu vas mourir à 23-0. Et il était écœuré, franchement. Et vous savez, c'était sur quelle map? Sur Oasis. C'est dommage parce qu'une belle mob sur Oasis, ça aurait été joli. Et voilà, il ne savait pas que quand on mourait du masto, ben, ça coupait la série. Donc dédicace à toi, OCB Centaure, d'ailleurs, sa femme vient d'accoucher, il vient d'avoir une petite fille aussi. Et donc ça fait plaisir un peu dans la team de voir que des gens bah, se marient, font des enfants, qui sont pas forcément des, comment dirais, des non-life, des PGM qui squattent le jeu sans faire leur vie à côté. Très important les gars, vous savez moi j'ai beaucoup d'heures de jeu, mais j'ai quand même une vie à côté. Et essayez de me répondre un maximum aux messages, tout ce que vous me proposez. C'est pas évident, je vous avoue que des fois je reçois entre 100 et 200 messages. Dans la boîte de réception, et c'est pas facile de répondre à tout le monde. Donc là, je commençais à être une bonne série, je crois. Il me semble que j'étais à 21. Ou 20, ouais, là, je crois que je suis à 21. Il me semble. Dommage que j'ai pas pu filmer en direct, sinon, parce que, en fait, là, on le voit pas, mais non, là, j'étais à 21. Voilà. 21 ou 22, je sais plus. Ah, dommage qu'on voit pas, parce que, en fait, dans la partie, je faisais select sans arrêt pour voir combien j'étais et je regardais mes assistances et tout. Et ouais, c'est ça là, je crois que j'étais à 22. Ouais. 22, c'est ça, 22 avec une assistance double. Et voilà! Yeah! What the fuck! What the fuck! Et alors, moi, le but de la vidéo aussi, vous voyez, le petit commando, et mon collègue tue le mec juste derrière, parce qu'il respawn juste derrière. Donc voilà, moi je suis là pour en fait, on va repartir sur le débat par contre de la vidéo. Ben, pourquoi j'ai mis ces vidéos files? Parce que j'aimerais bien que dans vos commentaires, vous me marquez quel est le premier mot. Je m'en fous que ce soit censuré, que ce soit du ta mère, va te faire enculer ou nique ton père ou ce que tu veux. Je m'en fous, mais ne me faites pas les enfants qui sortent, qui sont super polis et tout. Quand vous ratez un file à 22, 23, j'aimerais bien avoir la première phrase qui vous sort. Qu'est-ce qui vous sort? D'accord? Donc dans les commentaires, vous me marquez. Bah, je sais pas, bien, bonne vidéo, machin, ce que vous voulez. Et après, vous me marquez, voici mon mot quand je fais un file. Et je veux le mot. Moi, je sais que souvent, c'est ta mère. Je sais pas pourquoi, je dis ta mère ou va te faire enculer, voilà. Bah, après, ça vient. Mais chacun a un mot précis et préféré. Donc, je compte sur vous dans les commentaires pour me marquer quel est votre. What the fuck, quoi, en fait. Quel est votre premier mot qui sort quand vous faites un gros file ou quand vous coupez à un ou deux de la moab. Donc vraiment je compte sur vous pour ce commentaire et j'ai vraiment envie de voir, je suis curieux de voir quel est le premier mot qui sort de votre bouche en fait. Voilà là que je rattaque une série de spécialistes. Mais bon, c'était un peu trop tard, il reste 1 minute. Il y avait vraiment moyen de la faire, je pense qu'honnêtement j'aurais pu la faire. Bah elle passe pas, hein, comme on dit c'est un file. Mais il y avait vraiment moyen que je la fasse. Et je suis dégoûté parce que j'étais avec un abonné en plus et il était aussi écœuré que moi en fait. Il me disait ah merde, je suis dégoûté et tout. Surtout que je les remercie quoi, ils avaient joué à la fin, mais je dis bien à la fin, pas au début, parce que j'étais pas parti pour faire une mob. Donc à la fin, ils avaient joué en mode balistique et drone. Et je leur avais dit d'aller dans la petite tactique si vous voulez savoir aussi. Je leur avais dit de zoner dans la zone du milieu là où je suis là actuellement. Comme ça, moi je les contournais par les côtés. Donc je leur avais dit de les attirer. Et voilà, au final, bah, c'est un gros file, ça arrive. Je finis sur un beau score, je crois, je fais 32,
30, ou 33-2, je sais plus. Ouais, je meurs à la fin, là, bêtement. 15 secondes de la fin. Bon, faut avouer un truc, c'est que je ne les joue pas souvent ces cartes. Je les fais vraiment quand il n'y a plus personne ou que c'est en fin de soirée. Là, c'était 3h30 du matin quand je jouais. Hein. Donc, j'étais un peu fatigué. D'ailleurs, ça a été la partie qui m'a fait aller au lit. Oh, Crackers! Il a essayé de faire un 3-6 Crackers. Yeah! Bien joué. Un petit barrette. Joueur étoile, ouais, quand même. Bon, c'est pas mal. Petite récompense au moins. Il devrait y avoir marqué un défi, file, gros file. Voilà, 32-2, je finis. Donc, ouais, c'était quand même un beau score. Alors là, j'ai parlé des matchs à mort en équipe parce que on m'a beaucoup envoyé des messages. Bon, dis donc, fais-nous un tuto au mob. Ben, en fait, si tu peux nous montrer comment tu fais une mob tout seul ou voir un match à mort par équipe ou mêlée générale. Donc, le problème, ben, vous allez le voir de suite, vous allez le constater. Sur ce gameplay-là, j'étais accompagné de 3-4 personnes de ma team, je crois. Costa, on va voir un petit peu les noms. CB Costa. Ouais, il y a du bon. Je sais plus, il y avait Sylvain, je crois. CB Sylvain, CB Costa. Mais voilà, donc en fait, il faut vraiment que je joue tout seul. Parce que c'est un vrai merdier, en fait. Un match à mort par équipe, ça va vraiment vite. Et quand vous jouez avec, on va dire, des joueurs qui fraguent un peu, qui ont l'habitude de fraguer, le MME, ça va à une vitesse phénoménale. Voilà, j'avais mis le thermique, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, je vais jouer un peu en thermique. Là, je fais le mitraillage de Bandidos, le fusil d'assaut Barrette, nouvelle version de Black Ops 2. Voilà, là, je vais faire. Là, je prends trop mon temps en fait, je croyais que c'était trop facile maintenant, mais en fait, je me fais buter comme un âne. Et voilà, je vais enchaîner après une petite série sympathique aux Barrettes. Bon, certes, je vais pas rusher parce que bon, vous savez très bien que je suis pas un sniper rusher. D'ailleurs, j'ai fait. En ce moment, je suis en train de m'entraîner sur Black Ops. Et je vous avoue que j'ai fait 2-3 gameplays assez sympathiques au L96. Donc ça aussi vous pouvez me marquer dans le commentaire si ça vous plairait de voir un petit peu du Black Ops avec du L96. Donc il y a aussi des abonnés qui m'ont dit Bandidos sur Facebook, arrête de nous dire les vidéos que tu vas nous mettre. Parce qu'on veut avoir un peu de. On veut avoir comment dire. On veut avoir un peu de suspense, savoir pas forcément savoir ce que tu vas nous mettre comme vidéo. Bah en fait, à la base, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça dans le mauvais esprit, je l'ai fait dans l'esprit bah, de savoir un petit peu qu'est-ce que vous recherchez comme vidéo, quel genre de gameplay vous aimeriez voir. Donc, j'avais fait ça, bah, je vais essayer de faire un effort de moins, pas spoiler, mais de moins dire sur Facebook qu'est-ce que je vais vous mettre. Donc, voilà, j'essaierai d'en. J'ai entendu votre petite, comment dire, pas une réflexion, mais votre petit commentaire, je l'ai entendu, donc il n'y a pas de problème, moi je suis là pour écouter. Par contre, voilà, si vous allez dire, ben Bandidos, t'as pas compris le commentaire parce que tu spoil. Ben, je me languis d'avoir les 3000 abonnés parce que je vous réserve 2 épisodes Rage Kit assez friand. Si vous êtes friand de Rage Kit, les gars, je pense que ça va vous plaire parce que je vous en ai fait un spécial FR avec, bien sûr, avec des Français. Donc, on entend les commentaires dans l'accueil, tout ça. Ça, c'est pas mal. Et après, je vous en ai fait un autre avec des Anglais, des Espagnols encore. Voilà, donc j'ai vidé toutes mes réserves de Rage Kit. Je vous ai fait 2 gros montages. Ils ne sont pas commentés encore. J'attends d'avoir un peu plus d'abonnés. Et vraiment, vraiment, franchement, ces vidéos-là, je sais que c'est ce qui me démarque un petit peu de YouTube. Et je compte vraiment sur ces vidéos-là pour me démarquer un petit peu du lot de tout ce que proposent les YouTubeurs sur YouTube. C'est vrai que les mobs, on en voit, mais c'est toujours pareil. On me dit, Bandidos, tu mets trop de mobs. Mais bon, vous savez, quand vous mettez pas de mobs, les vidéos sont pas trop appréciées, elles sont pas trop vues. C'est malheureusement, mais sur Black Ops, je sais pas s'il y en aura des mobs, je crois pas. Alors là, j'étais quand même un petit mode camping, quand même, dans les égouts, comme on dit, ou la rivière, je sais pas comment on dit. Et je vous avoue, j'étais quand même content parce que je disais à mon équipe, ralentissez un peu les frags, s'il vous plaît, là, laissez-moi tenter la mob au barrette. Et vous pouvez voir le score en bas, c'est quand même une boucherie, c'est 1700 à 1400. Et honnêtement, comme je dis, il faut vraiment que je tente une MME tout seul ou une MME générale. Bon, bah, de toute façon, MME générale, c'est tout seul. Parce que. Ouais, mais j'étais avec un abonné aussi, El Rageur. Ouais, il y avait El Rageur, il y avait Costa, il y avait. C'était qui les autres? Putain, je me rappelle plus. Centaure. Ah, bah oui, il y avait Centaure et Costa et Sylvain. Voilà. Et il y avait Chakazulu aussi. Oui, Chakazulu 68. Ouais, mais en fait, on était plusieurs. Et je vous dis, c'est pas possible parce que la partie s'arrête en 7500 points et je sais pas ce que m'a donné. Oh là, là, t'es pas trop en forme avec le barrette. Ça arrive des fois. En plus, c'était royal parce qu'ils étaient tous. Ils étaient pas en assassin. Oh, donc en fait, on les voyait trop bien à la lunette thermique. Pas mal les lunettes thermiques. Moi, j'aime bien perso. Il y en a qui aiment pas. Moi, perso, j'aime bien. Même quand ils sont pas en blanc, on arrive bien à les voir quand même. C'est quand même sympa.
Voilà, donc j'espère que ces deux vidéos vous auront plu quand même. Certes, il n'y a pas de moi, mais c'était pour changer un petit peu. Mais n'oubliez pas dans les commentaires, hein, vous me marquez, voilà, vous me marquez si vous pensez que j'aurais pu réussir cette mob. J'étais pas loin, je finis à 20 pour 1. Je crois que j'étais à 19. Non, j'étais à 19, ouais, j'étais à 19 parce que je suis mort au début de la partie. Donc là, j'étais à 19, la partie d'avant, j'étais à 22 avec une assistance pro. Voilà, 20 pour 1, ça va trop trop vite. Voilà, donc n'oubliez pas de marquer vos commentaires sur le mot qui vous sort quand vous faites un file. Ça, c'est très important pour moi. Et sur ce, je vous dis bonne soirée, les gars. Et merci, likez, commentez comme d'habitude. Merci à tous. Et sur ce, allez, ciao, les gars.